Et je vous remercie pour cette invitation et j'ai envie de vous souhaiter la bonne année. Oui, bonne année à vous toutes et tous. Car c'est sur la musique originale du dessin animé de Fantasia, la scène de l'apprenti sorcier. C'est orchestré par Paul Ducas et par le plus grand des hasards. Ma radio s'allume comme ça au moment où je prends ma plume pour écrire une chronique sur le 31 octobre. Oui, parce que hier, le 31, nous fêtions sa main. La fête du renouveau chez les païens, l'acceptation du laisser mourir pour accueillir la renaissance. Oui, car en bonne sorcière moderne, je me souviens d'un temps jadis, celui de mes ancêtres de l'époque de Borée, où il n'existait que deux saisons, la claire et la sombre, un solide équilibre symbolique, une métaphore du bien et du mal, de la joie intense, du bonheur et de la dépression émotionnelle. Les feux allumés sur les collines permettaient de relier le monde du vivant avec celui des morts. Cette nuit permettait de méditer, d'accueillir ses ancêtres, de prier, de nourrir la déesse de la nature Nerta, une origine polaire qui sera donc parodiée 1135 ans plus tard par le catholicisme avec la Toussaint All Hallows Eve. Mais que nous reste-t-il de notre animisme primaire, de notre symbiose avec l'intelligence naturelle? Où sont passées nos sorcières et autres druides? L'Inquisition est passée par là et ils ont péri par le feu qui est mis à l'honneur en cette nuit d'automne d'Halloween. Il en reste encore pourtant, de ces êtres magiques disséminés de par le monde qui conservent leurs secrets et le partagent à qui le mérite. Ou se mute en guérisseur occulte, coach de vie, thérapeute en développement personnel, ou yogiste méditatif et dérivé. Quand d'autres, les normaux, se déguisent pour parodier la crainte et le courage une nuit par année. Tandis que les pôles et les astres prospèrent dans la danse lente de l'univers, les bûcheurs d'imaginaire hypnotisés par le rayonnement de l'intouchable joug d'unité terrestre. Et les astres et leur halo nous survivront à nous et à nos fêtes, quelles qu'elles soient. Alors hier, j'ai accompli mon rituel. Mon rituel face à la lune, à la fin d'une ère de liberté réelle et en prévision du despotisme intellectuel assombrissant revenant de plein fouet. Alors hier, j'ai prié en force. J'ai gratté la terre, j'y ai enfoui mes maux, j'ai réveillé la magie qui sommeille en moi depuis la nuit des temps, car il est essentiel de se souvenir que le mammifère humain est composé de la même matière que les étoiles en combustion. Eau, plomb, bore, phosphore, molybdène, magnésium, vanadium, calcium, eau, soufre, chlore, zinc, cuivre, nickel, cobalt, azote, titane, étain, fluor, chrome, manganèse, silicium, sodium et autres sels minéraux, la mixture chimique de la vie. Alors, entre énergie cinétique et potentielle, énergie mécanique, substance à la masse étendue, mouvement, action, la loi des énergies gouverne l'univers et nos atomes en témoignent. Alors hier, j'ai prié nos corps et nos esprits comme suit. Dieu et déesse, univers, ancêtre, merci pour cette année, pour toutes celles qui suivent et qui arriveront encore. Ce soir, nuit de magie, de jette et de fête, dansons vivants et morts dans la farandole de l'infini. Puis j'ai eu un putain de mal de tête, j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé de penser. Putain, 39 ans, toujours pas d'enfant. Et franchement, si je m'imagine en maman en 2030, mais c'est grave flippant. Allez, me voici en petite projection en avant. Cardi B sera l'équivalent de Lobby. Ce sera banal de se refaire le cul et décoter le new fashion critter beauté. Nous aurons zombombifié avec du résidu de gelée siliconée éparpillé dans le système corporel pour se sentir plus belle. Un risque d'aorte bouchée, mais plus par le gras du boucher, non. Les petits cochons seront bien traités, les oies blanches vides, dépucelées. À twerker contre la barre, à son cours de pole dance, trinquer contre la victoire quand son boule entre en transe. Ses tendances pour démarrer la danse, à répéter ses chorés de Shai, Rihanna et Beyoncé. À la préadolescence, elle fera du post-rap avec arrogance, un larguer les gars avec impertinence, l'impatience de trouver la force en soi, l'importance de se protéger en se mettant en danger, se prouver qu'une perte d'ovaires c'est super cool, gagner un peu de crédibilité et s'éloigner de sa foi. Les petits lascars seront en mode no life and game of pain, tous en mode toxico, lifestyle et beaucoup de haine, à croire que les nanas ne seront plus que des corps à prendre, à s'accaparer comme des trophées à refendre. Alors stop. Non, parce que là, je crois qu'en fait, putain, je dramatise un peu trop. Et je l'avoue, en fait, j'ai beaucoup d'espoir qu'il y ait du renouveau. Oui, c'est fini la chasse aux sorcières. Massacrées pour avoir fabriqué poison et potions, c'est sans compter la maîtrise de la passion des hommes pour ces sorcières déguisées. Elles peuvent ôter leur costume de transgression et se promener dans le bastion de leur féminité sans déléguer ce pouvoir aux humains du phallus doté. Les sorcières reprennent du service. Des brillants chimistes, des belles scientifiques, des écrivaines qui persistent, des beautés hors normes qui se décassent, des rappeuses qui défassent, des engagées militantes, dures de quantifier combien de sorcières sont réincarnées, impatientes, pour sûr qu'elles ont relégué le balai en cuisine et que la grande direction est aussi féminine. Alors moi je vous le dis, les sorcières reprennent du service avant l'apocalypse. Yeah! Ah,